Salut, voici un petit tutoriel pour faire une animation d'un petit homme qui voyage dans un train. Ça va être très simple. D'abord, on va faire le dessin et après, on va l'animer. Nous allons d'abord préparer notre fenêtre. Voilà. Le dessin va être très très simple. Donc, ici, j'ai remarqué créer une calque. Je ne marque pas les autres, les contours et la région parce que cela ne m'intéresse pas. Ça va être quelque chose de très simple. Voici la tête de la poitrine. Maintenant, je vais dessiner les bras et je vais les donner à notre couleur pour bien le voir. Voici un bras, celui-ci. Je vais dupliquer la calque, outil normal. Voilà, j'ai donc déjà dessiné. J'ai mis un peu de couleur. Voilà. Nous allons encapsuler tout ça pour ne pas avoir de problèmes. Encapsuler, ceci c'est l'homme. Maintenant, on va dessiner la fenêtre. Et nous allons voir un outil très intéressant. Voici c'est la fenêtre. Regardez, inverser les rectangles. Voilà. Au lieu de dessiner le contour, on fait le dessin de l'intérieur et on change. Bon, et on met la fenêtre derrière l'homme, comme ça nous avons l'homme dedans le train. Bon. Nous allons maintenant dessiner par exemple un petit arbre. C'est notable. Encapsuler. Et on va les mettre derrière. Comme nous voulons que l'arbre soit en dehors le train, on va les mettre derrière la fenêtre. Voilà. Maintenant, on peut déjà faire notre animation. On vient ici, image claire, 0 points par exemple, et en 2 secondes, ce que nous allons avoir, je mets aussi une image claire, en 2 secondes, animer, je vais mettre l'arbre à l'autre côté. Comme ça, on aura la sensation qu'il bouge. Et maintenant, je n'ai pas besoin de mettre des images clés. Mais je le peux mettre si je veux. Une première approximation. Voici ce que nous avons. Maintenant, on va quitter l'animation et on va faire bouger cette bras. C'est celui-ci, donc encapsuler. Pourquoi encapsuler? Parce qu'on va mettre un nouveau calque, transformer en rotation.
Si on met pas la rotation encapsulée, il va faire la rotation de tout ce qui est en bas. Bon, ici c'est la rotation, c'est le point vert, le centre de cette rotation. Voilà. Maintenant, on peut déjà animer. On étale utiliser femme. Par exemple, on peut changer comme nous voulons. Ici, comme nous avons l'image clé et nous n'avons rien changé, il va rester dans sa place originelle. On va voir qu'est-ce que ça donne. Au revoir, petite table. Au revoir. Si nous voulons que ça continue et tout le temps, ce que nous devons faire, c'est de mettre un nouveau calque, les boucles de temps. On va le mettre. Autre boucle temporelle. Boucle temporelle. Durée 2 secondes. Voilà. Maintenant, si on voit l'animation, 6 secondes. Cinq, pas cinq. Ah oui, nous allons arriver jusqu'à 5 secondes. Bien sûr, édition, propriétaire, temps, 6 secondes. Voilà, maintenant nous avons déjà notre 6 secondes. Et ici c'est notre animation. Voilà, et à la prochaine.